Alléluia! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Est-ce que tu es content d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Je n'ai pas dit de pousser un cri de joie en mon honneur. Je n'ai pas dit de pousser un cri de joie en l'honneur de ton voisin. Je dis, pousse un cri de joie en l'honneur de Jésus. Ce matin, je suis content d'être avec vous. Et vous savez, nous sommes venus chercher Dieu. Et on ne peut aucunement chercher Dieu sans Jésus. On ne peut aucunement chercher Jésus sans le Saint-Esprit. Amen. Donc, on va ce matin prier, demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de notre culte. On va lui dire, Saint-Esprit, viens, prends toute la place. On va lui dire, Saint-Esprit, nous sommes heureux d'être avec toi. Saint-Esprit, c'est pour toi que nous sommes là. Viens faire ton œuvre en nous. Amen. On va baisser les têtes, on va prier. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons pour ce temps. Nous te bénissons pour ce culte. Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens pour nous toucher. Viens pour nous parler. Viens pour nous parler, Esprit de Dieu. Viens pour nous parler, Saint-Esprit. Viens toucher nos cœurs, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de ce moment. C'est au nom de Jésus que nous avons prié ensemble. Disons grand Amen. Et dans la même vague, nous allons en même temps rentrer dans un moment de louange. J'ai avec moi un moment de louange. Moment de louange. J'ai avec moi un moment de louange. Moment de louange. Mais bizarrement, tu dis moment de louange et puis tu es assis. Ça, je ne comprends pas ça. Oh, c'est quoi? Tu dis moment de louange et tu es assis. Levez-vous. Est-ce qu'on s'assoit pour louer? Demande à ton voisin, est-ce qu'on s'assoit pour louer Dieu? Est-ce qu'on s'assoit pour louer Dieu? On va ensemble se tenir debout. Et avant que la louange commence, on va prier pour nos offrandes. Amen. Seigneur, je te bénis pour les offrandes que nous allons faire. Seigneur, que ces offrandes-là soient comme des louanges. Seigneur, que ces offrandes-là montent vers toi. Père, que ces offrandes participent à l'avancement de cette œuvre qui est Bloom Light. Seigneur, nous te bénissons pour ceux qui donnent. Nous te bénissons pour ceux qui n'ont pas pu. Merci Jésus parce que tu donnes la semence aux semeurs. Merci Jésus parce que tu remplis nos greniers. Sois béni, Père. Amen. Amen. Alléluia. On va pousser des cris de joie. On va chanter amen. Les sons reconnaissance de Bourgia. Si tu es ça, vraiment reconnaissant, pousse des cris de joie, le maximum des cris de joie. C'est vrai, tu pousses des cris de joie, oui. C'est pas bon, c'est vrai qu'il y a. Merci, vous avez poussé des cris de joie pour moi. Amen. Mais c'est que c'est bien habillé. Mais maintenant, poussez des cris de joie pour le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. Gesture, 1, 2, 3. Je n'avais plus okay. aucune crédibilité aux yeux des hommes. Changer ma vie. J'ai changé mon nom. Ah. Et je n'ai pas dit la royauté. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Tu as redoré mon blason. Blason. Inondé de ta présence. Présence. Prends sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré mon blason. Blason. Inondé de ta présence. Présence. Prends sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier. J'ai trouvé en toi ce que je cherchais.
J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi tout en toi. Tout le monde, tout le monde. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné, comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes fautes quand j'ai passé. C'est toi qui as donné. C'est qui? Oh yeah. La terre. Mais tu m'as donné du temps. Ça fait que j'ai investi à faire. C'est vrai. Avant de rentrer dedans, je touche le bord de ta robe. J'ai la foi comme la femme à la perte de sang. Je ne vais pas être en retard pour ma bénédiction. Je vais être. Oh Dieu, j'ai guidé la terre. Oh Dieu, tout ce que j'ai fait, c'est toi qui as payé ma dette. C'est rentré dans ma tête. C'est rentré dans ma cabeza. Mais ça, c'est la fête. Et qui sera dans le début de la mort. Tous ensemble avec la fête. Joya. J'ai trouvé en toi ce que j'ai cherché. J'ai laissé tomber la vie que j'avais. Car j'ai trouvé en toi tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs. On reprend la partie. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Tous ensemble, te remercier pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. On répond encore. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, okay. Oh yeah, okay. C'est toi qui as donné, okay. C'est qui? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh Seigneur, la foule, la foule. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait, okay. Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs.
te remémore quand tu passais. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah. Pousse des cris de joie pour Jésus. Amen. Amen, amen. En fait, dis à ton voisin, est-ce que tu as conscience? On te parle de Jésus. La mort même n'a pas pu le retenir. En fait, son nom est tellement grand, on peut pas expliquer même. Donc quand on parle de Jésus comme ça là, tellement c'est fort, tu peux pas t'asseoir, tu peux pas ne pas bouger, tu peux pas ne pas pousser des cris de joie. Tu n'as pas besoin de m'attendre pour commencer à pousser des cris de joie. Donc tu vas commencer à élever son nom, fais monter encore des acclamations pour le roi des rois. Amen. Son nom au-dessus de tous les noms. Personne n'est comme lui. C'est pourquoi nous allons chanter ce chant qui dit que personne ne peut détrôner Jésus. Amen. Revêtu de majesté, ton trône établi à jamais, ton trône établi à jamais. Aussi le monde est fermé, ne chancelle pas. Et tu es de toute éternité. On va le redire ensemble. Revêtu de majesté, revêtu de majesté, ton trône est établi à jamais. Ton trône est établi à jamais. Aussi le monde est fermé, ne chancelle pas. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité.
cherché, j'ai cherché, je me demande à qui pourra. Toi.
moment, tu vas commencer à élever le Seigneur. Hey, qui est comme toi, Jésus? Nous voulons élever ton nom parce que tu es grand, Jésus. Parce que tu es fort, Jésus. Les bras des châtés. Ne peut pas se tenir, le nom de mon qui, la dépression ne peut pas se tenir, la tristesse ne peut pas se tenir. Viens lever ce nom là, les bâchés de les baba, mais les bras dada, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, les baba baba les maradés, les chakara baba les. Est-ce que tu peux commencer à parler en langue? Est-ce que tu peux parler en langue avec moi? Si tu parles en langue. Et si tu ne parles pas en langue, est-ce que tu peux demander au Seigneur, tu peux dire au Seigneur de te remplir de son esprit, de te remplir de sa présence. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, personne ne peut te détrôner. Car c'est toi qui délivres de toute forme de captivité. Parle avec moi, parle au Seigneur. Dis, Seigneur, personne ne peut te détrôner. Car c'est toi qui changes les vies. Personne ne peut te détrôner. Car c'est toi, Seigneur Jésus, qui fortifie. Personne ne peut te détrôner. Car c'est toi qui sors de la dépression. Personne ne peut te détrôner. Car c'est toi, Seigneur Jésus, qui me remplis de ton esprit. Personne ne peut te détrôner. Car tu as vaincu la mort. Personne ne peut te détrôner. Parce que tu es plus grand que tout. Personne ne peut te détrôner. Parce que lorsque je te vois sur ton trône, je ne peux m'empêcher de t'acclamer. Je ne peux m'empêcher de t'élever. Je ne peux m'empêcher de te glorifier. Je ne peux m'empêcher de crier. De pousser les cris de joie. De te célébrer. Alléluia, alléluia, personne ne pourra le détrôner. Dis à un voisin, personne ne peut détrôner Jésus. Personne ne peut détrôner Jésus. Nul ne pourra le détrôner. Nul ne pourra. La Bible dit qu'il est assis sur son trône de gloire et il intercède pour nous. Amen. Je vais demander à toutes ces personnes qui étaient plongées dans les eaux du baptême, qui marchent avec le Seigneur, qui ont décidé de se rapprocher de Jésus, qui ont décidé de sceller leur alliance avec Christ, au travers du baptême, de se tenir debout. Pour que nous puissions communier ensemble. Ce repas que le Seigneur nous a donné, il a dit dans sa parole, faites ceci en mémoire de moi. Le service peut commencer. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, lorsque vous allez prendre ce repas, rappelez-vous de moi, Jésus. Rappelez-vous de moi qui suis mort à la croix pour vous. Mort pour vos péchés. Mort pour vos iniquités. Mort pour vos faiblesses, mort pour vos hontes, mort pour tous vos challenges. Rappelez-vous de moi. Est-ce que tout le monde a été servi? Tout le monde a été servi au fond? Si tu n'as pas été servi, tu peux lever la main.
Ok, tout le monde était servi. Amen. David dit, la nuit, il fut livré. Il prit le pain et il rendit grâce. Il dit, Seigneur Jésus, Père, je veux te dire merci pour ce pain qui se transforme maintenant en ton corps. Nous croyons, Seigneur, que par ton sacrifice à la croix, nous avons été rachetés. Et depuis, Seigneur, ta mort à la croix, tu règnes dans les cieux. Tu règnes sur ton trône où tu intercèdes pour nos vies, où tu gères nos vies. Et personne, rien ne pourra te détrôner. La Bible dit qu'il partagea avec ses disciples. Et il dit, prenez ceci à mon corps, le corps qui a été flagellé pour vous. On va ensemble prendre le corps du Christ. Manger avec toi et demeurer tout près de toi. Je viens à ta table, manger avec toi et demeurer tout près de toi. Moi je viens à ta table, manger avec toi et demeurer tout près de toi. Je viens à ta table, manger avec toi et demeurer tout près de toi. Manger avec toi et demeurer tout près de toi. Amen, amen. La Bible dit, il prit ensuite la coupe et il dit, ce vin n'est plus du vin, mais c'est maintenant mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang par lequel nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés, nous sommes purifiés, le sang par lequel il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dis à un voisin, il n'y a plus de condamnation. Le Seigneur a déjà tout payé par son sang. Ensemble, célébrons la victoire du Seigneur par le sang de Jésus. Je viens à ta table, manger avec toi et demeurer tout près de toi. Moi, je viens à ta table, manger avec toi et demeurer tout près de toi. Et si tu es reconnaissant devant le Seigneur, tu vas donner des acclamations. Amen. Continue d'acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons encore élever son nom. Tu vas commencer à prier en langue avec moi. Rabachete le braba baba baba le brada de satakabayada. Marabachete le braba baba baba. Mais le brada de karabade chete le braba baba baba. Le brada chete le braba baba baba baba. Le brada chete le brada de kele baba baba. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Le brada chete le braba baba baba baba. Et le brada da chete kele baba baba. Même si ça ne va pas, je sais que je suis avec toi, Jésus. Même si tout va mal, je sais que je suis avec toi, Jésus. Chata la brade de de. Chakaraba de le 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 le. Chakaraba de le le. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai à avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je sais que tu es là, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes, Jésus. Quand je suis avec toi, je suis tranquille. Je suis tranquille quand je suis avec toi. Rabababa, chétele, rabababa, barédédé. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Les bras d'achetele, babababa, et les bras d'édédé. Tu domines les tempêtes. Shake it, brada, 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 br
Je suis tranquille. Parce que je sais que toi tu ne me laisses pas. Je sais que toi tu es près de moi, Jésus. Quand je suis avec toi, je suis tranquille. Quand je suis avec toi, je suis tranquille. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Moi je suis tranquille. Je sais que tu es près de moi. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. Saint-Esprit, tu ne nous abandonnes pas. Tu es près de nous, Jésus. Tu es près de nous, Jésus. Je suis tranquille. Si les océans je sais que tu es près de moi, Jésus. Les bras d'acheter les bras baba et les bras d'adadada que les bras baba chez les bras baba c'est les namayara baba baba et les bras d'acheter les bas et les bras baba baba et kabaya des les bras baba baba acheter les. Oui, je suis tranquille. Je suis tranquille. C'est pourquoi je dis même si. Et la brada chète les bras, baba, baba. Je les traverserai avec toi. Et baba, 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 les brada chète les. À la brada, baba, baba. M'abandonner. Je sais que je peux te faire confiance car tu ne vas pas m'abandonner. Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Rabababa, chétez les bras, babababa. Les bras, dadadada. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Tu vas commencer à élever son nom, à pousser des cris de joie. Ah, qui est comme toi, Jésus? Ré, baba, 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 chétélé. Nous savons que tu es présent en ce lieu. Nous savons que tu es là. Emmanuel, 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 Emmanuel. Brada, dada, dada, chétélé, là. Emmanuel, Emmanuel.
Rabachete les bras dada. Nous savons que tu es près de nous. Emmanuel est là, ici, ah, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Avec moi. D'acheter les bas. Je sais que tu es près de moi, Emmanuel. Emmanuel. La braba, baba, baba, baba. Chéter les bras, baba, baba, baba. Les bras d'Ada, chéter les bras des Mara, baba, 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 baba. Aïe, maïe. Aïe, maïe. Aïe, maïe. Je peux te faire confiance parce que tu es près de moi, Jésus. Tu ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas tomber. Même si mon entourage m'a laissé tomber. Je sais que toi, tu es près de moi. Je sais que toi, tu es près de moi. Rena Maya, Rena Maya.
Tu vas regarder à ce qui te manque ce matin. Et on va rechanter juste la partie là, mais vraiment calmement. C'est vraiment toi qui es en train de parler à Dieu. Si tu as besoin de restauration, tu vas juste dire, Emmanuel est là pour me restaurer. Si tu as besoin de transformation, il y a une partie de ta vie que tu n'arrives pas à changer à l'image de Christ. Tu vas dire, Emmanuel est là pour me transformer. Si tu as besoin de liberté, tu sais qu'il y a des chaînes encore qui te retiennent. Je ne sais pas, peut-être dans le péché, peut-être même dans il y a des liens familiaux. Tu vas dire, Emmanuel est là pour me libérer. Est-ce qu'on peut rechanter la partie? Où est là? Emmanuel est là. Tu es là pour changer. Tu es là pour guérir. Tu es là. Tu es là. Emmanuel est là. Emmanuel. Tu es là pour guérir. Tu es là pour changer. Tu es là. Tu es là pour fortifier.
pour ta présence. Merci pour ce jour que tu nous permets de voir encore. Merci parce que tu prends le contrôle de tout ce qui va se passer ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Non, non, non. Pause. J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Toi, Jean, tu es trop... Non, attends. Jean, tu es trop sapé. Jean, tu es trop joli. Jean, tu es trop choco. Je ne sais pas ce qu'il y a. Jean, on dit d'acclamer pour le Saint-Esprit. Tu es assis et puis tu acclames avec tes quatre doigts seulement. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Pousse des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser. Fais monter. Non. Pause. Je ne suis pas satisfaite. Comment tu peux acclamer le Saint-Esprit et puis ton visage est serré? Tu pousses pas des petits cris de joie. Attends, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un passage de David. On dit, David est parti prendre l'âge de l'Alliance. Maintenant, sur la route, ça voulait tomber. Il y a un gars qui a attrapé, Dieu l'a tué sur le coup. David a eu peur. Donc, David a pris l'âge pour aller déposer dans la maison d'un Israélite. Au bout de quelques temps, on se rend compte que Dieu a béni la maison du monsieur. Donc David dit que pourquoi? Genre pourquoi Dieu, on envoie l'âge de la lance là-bas et puis Dieu le bénit. Donc lui, il va prendre l'âge. Sur la route, à tout le monde, David était content. Parce qu'il savait la personne qu'il était en train de transporter pour venir chez lui à la maison. Il avait conscience que non, c'est pas camarade de quelqu'un, c'est pas un petit quelqu'un. On dit sur la route là, David a dansé de toutes ses forces. Et David danse de toutes ses forces. Il arrive dans sa cour. Il danse, il gâte le coin, il transpire. Et ils ont marqué, c'est marqué dans la Bible qu'il était habillé comme les Lévites, je pense. C'était en mode genre, il n'était vraiment pas habillé comme un roi. Il était habillé comme une personne normale du peuple. Ou plutôt comme un serviteur. Il danse. Il y a sa femme Michal, la fille de Saül, qui le voit et qui le méprise dans son cœur. Donc il a fini, il est monté, il est arrivé à la maison. Elle lui dit, ouais, que toi tu es un roi, comment toi tu peux danser devant tes serviteurs comme ça? Genre, ils vont plus te respecter, nana. David lui a répondu, premier, Dieu, je vais toujours glorifier Dieu. Je paraphrase, c'est parce que ce qu'il a dit même c'est encore profond. Il dit, je vais toujours... Non, attends, il a cherché le passage. C'est dans 2 Samuel, à partir du verset 6. Moi, je vais venir vers la fin ici. Il dit, donc, Michal lui dit, ah vraiment, le roi d'Israël est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à 2 minutes devant les serviteurs, comme il aurait pu le faire comme un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père. Ça, c'est la première balle. Ok. Je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Néanmoins, je serai honoré par les servantes dont tu as parlé. Il sait que même s'il se traîne dans la boue pour Dieu, les gens qui vont le regarder là, les gens ne vont pas le regarder comme, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, genre, il est en train de gâter, je ne sais pas, en mode, ils ne vont pas le regarder comme du mépris. Ce qu'il est en train de faire, honorer Dieu là, les gens vont le voir comme quelque chose d'honorable. Ils vont commencer à l'honorer, à le, je ne sais pas, en fait, on le voit en train de se traîner dans la boue pour Dieu, et puis les autres ont envie de se traîner dans la boue pour Dieu, parce qu'ils savent que ce n'est pas cadeau qu'ils sont en train de faire. Et on dit, à la suite de cela,
Mika n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Je suis sûre que c'est à cause de ça là, qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Et puis, le même David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un dernier verset pour la route. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Maintenant, moi je dis, reçois Dieu en sa qualité de Dieu, tu vas recevoir une présence de Dieu. Non, c'est non, non, non. Ok. Merci, merci, merci. Le niveau que je vous attends là, il est ici. Ce que vous venez de faire là, c'est ici. Mais Dieu ne mérite pas ça. Tu es en applaudissant. Et puis tu as arrêté dans ton coin, je ne sais pas. Donc je vais compter jusqu'à 3. Tu vas gâter. Tu vas dire à David que tu n'es pas le seul à pouvoir danser devant l'arche de l'Alliance. Là, là, actuellement, je sais que Dieu est présent. Je vais lui montrer que je suis content d'être dans sa présence. Je suis honoré de le sentir ce matin. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas gâter le coin. Il ne faut pas qu'on reconnaisse. Tu vois, le premier culte là de base, on dit qu'on est trop calme. On maudit cette histoire de calme. On va manifester notre amour pour Dieu. Tu vas manifester ton amour pour la présence de Dieu. Tu vas dire Dieu. Yeah, c'est vrai que je suis fatiguée. On m'a réveillé le matin. Je voulais dormir jusqu'à 10 heures. Mais non, on m'a dit de venir dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. 2. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. 2,5. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Prochain là, il gardait la même chose. On a élevé le niveau. On n'a plus sommeil quand on vient au premier culte. On n'a plus sommeil. On n'est plus fâché. Même si on nous a réveillé, dès qu'on dit, hé, réveille-toi, tu dois partir à l'église. Oh, tu dois partir à l'église. Tu t'apprêtes rapidement. Tu te mets en jones. Parce que ici, tu dois bien danser. Ouvert. Amen. Je veux qu'on honore la vie du père de cette maison. Soyons honnêtes. Si Pasteur Mohamed n'avait pas accepté la vision de Dieu pour la jeunesse, chacun était dans l'allée actuellement, là, en train de faire les bêtises. Satan serait fier de nous, tellement en train de gâter le coin. Mais on sait que c'est parce que Pasteur Mohamed a accepté la vision de Dieu pour la jeunesse que nous sommes sauvés et nous sommes ici. Est-ce que tu peux honorer Dieu pour la vie du pasteur? Merci Saint-Esprit pour la vie du Pasteur Mohamed, pour la vie de Maman Lily. Merci parce que tu as mis le fardeau dans leur cœur et ils ont accepté ce fardeau. Est-ce que tu peux honorer la vie de le Saint-Esprit pour la vie du pasteur Mohamed? Yes! Merci Saint-Esprit. Merci pour la vie, Saint-Esprit. Merci pour la vie, Saint-Esprit. C'est pas fini. Tu sais que c'est pas fini. Quand on va en haut là-bas, on a traversé cette personne pour arriver jusqu'à nous. Tu vas te préparer. Tu sais que Pasteur Mohamed a accepté la vision. Mais il y a une personne qui a accepté de porter le fardeau. Tu vas te préparer. Tu vas penser, tu vas dire honnêtement, on ne sait pas que sera Bloom sans coach Moïse et coach Meliou. Est-ce que ce sera Bloom qui est là? On ne sait pas. Peut-être que, bon bref, en tout cas, on ne sait pas que sera Bloom si il n'avait pas accepté le fardeau. Tu vas acclamer, tu vas honorer aussi la vie de nos parents.
Coach Moïse et Coach Meliou qui ont accepté de porter le fardeau. Qui ont accepté de porter le fardeau. Ils ont accepté de porter le fardeau de Bloom. C'est pour ça que nous sommes là actuellement. C'est pour ça que nous sommes ici actuellement. Merci Saint-Esprit pour la vie de Coach Moïse. Merci Saint-Esprit pour la vie de Coach Meliou. Merci parce que tu continues de les utiliser. Tu continues de les remplir. Pour que nous aussi nous ayons part à l'onction. Amen. Oui. Amen. Bon, on va commencer. Dis à ton voisin, tu es fort. Tu es fort. Même si actuellement, il y a des choses, enfin, à l'école, c'est bizarre. À la maison, c'est bizarre. Il n'y a pas l'argent. Souvent, même à Timothée, une fois dans la journée, je ne sais pas. Mais dis à ton voisin, tu es fort. Dis à ton voisin, hey, dis à l'autre voisin, tu es fort. Mais dites bien. En ligne. Pardon. Merci beaucoup, Bloom Praise. Dis à ton voisin, tu es fort. Ok. Donc, notre test de base. 1 Jean 2, 13 à 14. On va lire ensemble 1 Jean 2, 13 à 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Normalement, le verset doit rester là. Il a fini de parler. Ou bien. Et puis, il reprend encore dans le verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est la même chose qu'en haut. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Il a ajouté quelque chose. Et parce que la parole de Dieu demeure en vous et parce que vous avez vaincu le malin. Honnêtement, quand je lisais la partie là, je ne comprenais pas bien. C'est vrai qu'on est jeune. Ça veut dire qu'on a la force. Si on nous donne, je ne sais pas, toute une semaine en train de courir, on est capable de le faire parce qu'on est jeune. Mais où est le rapport entre jeunes gens, vous êtes forts et puis la parole de Dieu demeure en vous. En fait, je ne comprenais pas bien le côté là. En fait, pour moi, c'était un peu trop bizarre. Et mon père, ou bien notre père, le pasteur Mohamed Sanogo, a une révélation par rapport au verset de Genèse où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Il a dit en fait que le « et » qui est là n'est pas un « et » d'ajout en mode addition. Non, mais c'était un « et » de conséquence. En gros, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc, si je transpose ce verset, ça veut dire, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, afin que la parole de Dieu demeure en vous, afin que vous vainquiez le malin. Maintenant, je me suis demandé, en fait, en quoi, parce qu'on est fort, la parole de Dieu demeure en nous jusqu'à on veut le malin, enfin, je ne sais pas. Et on va partir dans le livre de Jude 6, 1 à 16. C'est un peu long, donc je vais lire un peu rapidement. Les Israélites firent ce qui déplaît à Dieu, ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage.
je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébin d'Oprah, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. » De Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit de la famille de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » La partie qui m'a marqué, c'est la réponse de Dieu à la question de Gédéon, « Mais je serai avec toi. » Dieu lui dit, « Va, vaillant héros. » Il a dit quand même, attendez, va avec la force que tu as, vaillant héros. Et puis Gédéon lui répond en bas, mais avec quoi les battrai-je? Dieu t'a déjà dit, va avec la force que tu as. Maintenant, toi, je te demande, avec quoi les battrai-je? On t'a déjà dit, c'est avec la force que tu as. Maintenant, Dieu répond en bas, en gros, Gédéon n'avait pas compris, non. Donc Dieu lui dit, mais je serai avec toi. C'est comme si Dieu reliait la force dont il parlait à sa présence. Tu n'as pas encore bien compris. Ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, du peu de la Bible que je sais, toutes les personnes que Dieu a envoyées là, il leur a assuré sa présence. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas t'envoyer, va faire quelque chose, et puis, genre lui, il va gérer un autre bail, quoi. En mode, tiens, je t'ai donné cette mission, va, gère-toi, toi seul là-bas, moi je vais me gérer ailleurs. Non, il n'a jamais fait ça. À Jérémie, quand il a envoyé Jérémie lui a dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Dieu lui a dit, je serai avec toi, je mets ma parole dans ta bouche, et ainsi de suite. À Gédéon, parole, pareil. Dieu ne peut pas t'envoyer faire quelque chose. Dieu ne peut pas te dire de donner ta vie à Jésus s'il n'a pas de plan pour toi. Tu ne peux pas t'asseoir ici, tu vas dire, ouais, hey, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. Ouais, j'ai donné ma vie à Jésus, mais ma vie ennuie. Au fond de toi, Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. Faut t'asseoir, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Il va te répondre, va avec la force que tu as. Sa présence te suffit. Et le truc, c'est que dans le verset de 1 Jean, il a dit, jeunes gens, vous êtes forts. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et la parole de Dieu demeure en vous. Je me suis demandé, bon, quel est le lien? Bon, si Dieu est Dieu, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si Dieu dit, je suis avec toi, ça veut dire que sa parole est avec toi. Pourquoi il insiste sur le fait que vous êtes forts? Ce qui signifie que je suis avec vous. C'est-à-dire que peu importe ce dans quoi je vous envoie, je suis avec vous. Il vous a assuré de sa présence. Pourquoi il veut que la parole de Dieu demeure en vous? Parce que Dieu n'agit pas sans sa parole. Et même si Dieu t'a envoyé, il dit, bon, je ne sais pas, va en Afghanistan. Ça veut dire qu'il sera avec toi. Mais il faut sa parole, il faut qu'il travaille sa parole. Si tu sens des limites, si tu sens des faiblesses dans des zones de ta vie, Dieu a besoin de sa parole. Il doit utiliser sa parole en fait pour changer ta vie. Donc s'il ne trouve pas cette parole là dans ta vie là, en fait il est là mais genre il peut rien faire quoi. Je sais pas si tu comprends. Donc on va lire Josué 1, mais on va pas tout lire, on va lire à partir du verset 7. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi
à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Dieu te dit, fortifie-toi. Au début, il lui a dit, je serai avec toi. Après, il lui dit, fortifie-toi. Il dit, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à la loi. Ça veut dire, Dieu ne pourra pas te fortifier s'il ne trouve pas en toi sa parole. C'est-à-dire qu'il peut te promettre qu'il est avec toi, mais il ne pourra pas agir sans sa parole. Il ne peut pas soulever, je ne sais pas. Dieu agit toujours, on le sait tous, Dieu agit toujours par sa parole. Donc, tu ne peux pas, Yafoy, Dieu t'a envoyé en Afghanistan, Yafoy. Maintenant, arrivé là-bas, là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est sur ça, en fait, que vous allez commencer à travailler. Maintenant, tu arrives là-bas, on te demande qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne sais pas, Dieu m'a envoyé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit là? C'est sa parole. Donc, s'il ne trouve pas sa parole en toi, il ne pourra pas faire sortir, en fait, ce qu'il attend de toi. Il a envoyé Josué pour... Il a dit à Josué d'envoyer. Il a dit, Josué, c'est toi qui vas faire entrer les Israélites dans la terre que je leur ai promise. Mais après ça, là, il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage en suivant fidèlement la loi que j'ai prescrite. Ça veut dire que si Josué n'avait pas suivi fidèlement la loi que Moïse lui a prescrite, il n'allait pas rentrer à Canaan. Pourquoi? Parce que même si Dieu t'a dit, faut partir à Canaan, c'est la parole de Dieu qui va te montrer la voie pour y arriver. Donc, Yafoy, Dieu t'a appelé. Bon, déjà, ceux qui se disent que Dieu ne les a pas appelés, Dieu nous a tous appelés. Peu importe ce dans quoi tu es, Dieu t'a appelé, il a un plan précis pour toi. Mais il faut la parole de Dieu, il faut quelque chose sur lequel Dieu va se baser pour que vous marchiez, pour que vous accomplissiez ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Dis à ton voisin, tu es fort. Tu es fort. Dis à ton voisin, tu es fort. Amen. Maintenant, il aurait pu juste dire, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu est avec vous. Mais il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Bon, au début, moi, quand je pensais à ça, dans ma tête, c'était que mes business. Quoi. En mode, si je médite beaucoup, dans mes business, je vais réussir. Mais ce n'est pas que ça. Mais dans ta vie même, ta vie spirituelle, tu dois la réussir. Ta vie sociale, tu dois la réussir. Ta vie émotionnelle, tous les jours tu as goumé, ce n'est pas normal. Tu dois la réussir. Peu importe la facette de ta vie, là, tu dois la réussir. Et tu la réussis comment? Avec la parole de Dieu. Allons-y. Il n'a pas dit que la parole de Dieu... Il n'a pas dit, je vous écris, vous êtes fort et la parole de Dieu est avec vous. Il a dit, la parole de Dieu demeure en vous. Demeurer, ça veut dire quoi? Ok, bon, je ne vois pas ma définition, mais de ce que je sais, demeurer, c'est genre changer, de habiter quelque part, avoir pour... Genre... Tu es là, quoi. C'est ton chez-toi, voilà. Tu as peau quelque part. C'est ça. Si vous avez remarqué, quand on change de maison, quand tu changes de maison, tu changes systématiquement en fonction du système de la maison. Ça veut dire que si dans ta première maison, tu passais par le garage et que la deuxième maison ici, on te dit, dans cette maison, on passe par la petite porte, tu es obligé de passer par la petite porte. Parce que quoi? Tu demeures dans la maison. Donc, si la Bible, si Dieu dit demeure dans la parole, maintenant toi, tu ne fais pas ce que la parole te dit de faire, ça veut dire que tu ne demeures pas dans la parole. Parce que ce que la Bible te dit de faire, tu ne fais pas. Quand tu rentres dans une nouvelle maison, tu es obligé de te fixer, de te mettre sous les règles de la maison. Donc, naturellement, quand tu rentres dans une nouvelle maison, la maison t'impose... ses règles. Donc, pourquoi tu veux rentrer dans la maison de Dieu par sa parole et sans laisser Dieu t'imposer ses règles? Maintenant, comment connaître les règles de Dieu si tu ne connais pas la Bible? Maintenant, si tu connais la Bible, pourquoi tu n'acceptes pas d'être sous les règles de Dieu? Parce que tant que tu n'acceptes pas d'être sous les règles de Dieu, Dieu ne peut pas, la parole de Dieu ne peut pas demeurer en toi. Amen. Ok. Donc, il dit, jeunes gens, vous êtes forts. Si
D'ici là, si on veut faire un petit récap, il dit, jeunes gens, vous êtes forts. Ça veut dire que jeunes gens, peu importe ce que vous faites, peu importe où vous partez, oui, peu importe, bref, peu importe tout, je suis avec vous. C'est moi qui vous fortifie. Et si je vous fortifie, ça veut dire que vous êtes capable de tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Notre pasteur, le pasteur Mohamed, le pasteur Moïse a dit dimanche dernier que le travail de Dieu, c'est de te fortifier. Toi, ton travail, c'est de faire. Donc, Dieu, il ne va jamais arrêter de te fortifier. Mais Dieu ne peut pas te fortifier aussi si sa parole n'est pas en toi. Parce qu'il a besoin de quelque chose sur lequel se baser pour travailler en toi, pour te fortifier. Bon. Tu as goûté. Revenons dessus. Tu as goûté. Tu t'en vas. Tu dis, ouais, Dieu, moi, j'ai toujours goûté. Nanana, et tout, et tout, et tout. Dieu a dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Toi, tu ne sais pas. Tu mets ta confiance dans les gens, on te donne goûter. Tous les jours, tu as goûté. Tous les jours, tu as goûté. Si tu connaissais la parole de Dieu, tu allais savoir que Dieu avait dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Et tu allais arrêter de donner ton cœur à n'importe qui pour avoir goûté. Mais non, tu ne veux pas apprendre à connaître Dieu. Tu ne veux pas apprendre à connaître la parole de Dieu. Tu t'assois en mode, je vais à l'église, coach Moïse prêche tous les dimanches, coach Melut prêche tous les dimanches. Donc, flex quoi. Moi, je vais à l'église, je suis chrétienne. Il y a foi, mais est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, tu ne pourras pas être fortifié parce qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas s'appuyer sur quelque chose pour te fortifier. Amen. Ça, c'est une parenthèse. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Au début, je me disais, ouais, ça veut dire que si je médite, tout ce que je vais demander à Dieu, il va me donner. Non, il a dit, si vous demeurez en moi, Dieu vous a déjà donné la définition de demeurer. Si tu n'acceptes pas d'être soumis à la parole de Dieu, Dieu ne va pas te donner ce que tu lui demandes. Pourquoi? Parce que quand tu es soumis à la parole de Dieu est forte pour séparer moelle et jointure. Elle est capable de juger nos pensées. Donc, au moment où tu te mets sous la parole de Dieu, elle exerce son pouvoir sur toi, ce qui fait que naturellement, tes pensées deviennent les pensées de Dieu parce que la parole de Dieu vient trier. Non, ça, c'est pas de Dieu. Tu enlèves. Non, ça, c'est pas de Dieu. Tu enlèves. Et tu acceptes d'enlever. C'est là que tu acceptes d'être soumis. Et là, maintenant, la parole de Dieu demeure en toi. Donc, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, si tu demandes des choses à Dieu et que tu n'as pas, pose-toi les questions. Est-ce que tu demeures en lui et est-ce que sa parole demeure en toi? Amen. Donc, il dit, jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Naturellement, on voit avec Jésus que quand Jésus a fini ses 40 jours de jeûne, il est parti dans le désert. Satan pensait que, ouais, actuellement, le gars, il a faim. Il peut mal le marmailler, ça, il va tomber, il va prendre quoi. Mais il est parti. Et tout ce que Satan a dit à Dieu, là, à Jésus, Jésus a répliqué par « il est écrit ». Donc, tu ne peux pas vaincre le malin si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas vaincre le malin si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Moi, je n'ai jamais vu un coin dans la Bible où on dit, je ne sais pas, servez beaucoup à l'église et il fuira loin de vous. Il a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment résister si tu ne connais pas la parole de Dieu? Donc toi seul, Satan va venir te dire, je ne sais pas, tu es bête. Et puis tu dis, non, je ne suis pas bête. Non, je ne suis pas bête. Non, en fait, ça n'a aucun sens. Parce que, frère, si Satan veut te gérer là, il va mélanger ton esprit, c'est fini pour toi. Mais comment tu peux résister au diable? Par la parole. On a vu l'exemple de Jésus. Quand Satan est venu faire ça à Jésus, là, on n'a jamais vu dans la Bible un autre coin où Satan est venu tenter directement Jésus. La seule fois qu'on a vu Satan dans les parages, c'était quand Pierre lui a dit, non, tu ne mourras pas. Et puis Jésus lui a dit, arrête de moi, Satan. Ça veut dire que quand Satan est venu tenter Jésus là, il a vu que, ah, le gars, il a quelque chose dans la tête et il a vraiment la parole de Dieu dans sa tête. Donc, naturellement, Satan se disait que, enfin, c'est plus la peine en fait de repartir.
On dit résister au diable et Satan et il fuira loin de vous. Ça veut dire que si, je ne sais pas, tu arrives à l'école, toutes les personnes de ta classe, elles sont possédées. Et que toi, la parole de Dieu demeure en toi, quand tu vas arriver là, naturellement les démons vont fuir. Pourquoi? Parce que tu as résisté au diable par la parole, donc il va fuir loin de toi. Donc peu importe où tu es, peu importe où tu t'arrêtes, si Satan est là et qu'il sent que tu es là, il va fuir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas cohabiter avec toi et il sait que même s'il vient tenter quelque chose sur toi là, ça n'aura pas lieu parce que la parole de Dieu demeure en toi. Amen. Ok. J'ai fini mon message. Maintenant, en fait, je veux dire à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, peu importe. C'est-à-dire que tu t'assois dans ta vie, là, il y a forcément des coins, il y a des facettes de ta vie, tu te sens faible. Mais comme j'ai dit, si tu es ici, si tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que c'était le plan de Dieu. Et si Dieu t'a appelé, ça veut dire que naturellement, il est prêt à te fortifier. Donc, là, tu vas juste baisser la tête, tu vas vraiment parler au Saint-Esprit. Tu vas dire, Dieu, voici, ici, je me sens faible. À l'école, ça ne va pas. Je me sens nulle. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu appartiens au royaume de Dieu. Et si tu appartiens au royaume de Dieu, Dieu a un plan précis pour toi. Si Dieu a un plan précis pour toi, ça veut dire qu'il est prêt à te fortifier. Mais comme on l'a vu, il faut que tu acceptes de demeurer dans la parole. Ou il faut que tu acceptes d'être soumis à la parole de Dieu pour pouvoir résister au diable. Résister au diable, ce n'est pas forcément quand le péché va arriver, genre... Je suis trop guindé, quoi. Genre, il y a trop de force, donc je résiste au diable. Résister au diable, c'est aussi briser les liens familiaux. Résister au diable, c'est aussi chasser les mauvaises pensées. Résister au diable, c'est tous les coins dans ta vie où tu sais que ce n'est pas Dieu, là. Naturellement, quand la parole de Dieu demeure en toi, ça fuit. C'est-à-dire que ça disparaît. Parce que Yvan l'a dit à Spac, quand tu cherches la plénitude de Dieu, quand tu cherches à ce que Dieu soit pleinement formé en toi, naturellement, toutes les malédictions peut-être de ta famille qui sont sur toi là, elles partent. Pourquoi? Parce qu'elles ne reconnaissent plus la personne qui est en toi, mais elles ne te reconnaissent plus, mais elles reconnaissent Jésus qui est en toi. Et quand elles voient Jésus, elles savent que il y a rien entre eux là, il y a rien qui peut les aider à cohabiter. Donc tu vas prier, tu vas dire au Saint-Esprit, Dieu, tu m'as envoyé ici, je sais pas, à l'école. Peut-être à la maison, peu importe. Dieu, tu m'as envoyé ici. Aide-moi. Fortifie-moi, je me sens faible. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, fortifie-moi. Je sais que je dois demeurer dans ta parole. Je prends l'engagement de demeurer dans ta parole. Je sais que je dois méditer jour et nuit. Tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Seigneur, aide-moi à méditer jour et nuit. Je veux méditer jour et nuit. Je veux que tu me fortifies dans telle ou telle situation, dans telle ou telle facette de ma vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Rada brache le libra sada la brada kabaya la labra. Rede brocha da la brada kaya le libra sada la brada kabaya. Rede brocha da la brada kabaya la brada yabala laba. Rede bala la brocha na la bradia la laba. Rede bosha da la bradia la kabayara. Reda brasele le brasha na la brada kaba. Reda baba osha la brada baya de kele le bele lebe. Reda bala brosha la brada kabaya la laba. Rede le brosha la brada baya laba. Rada baya. Rada brasha da la brada bala la brada baya da. Rede brocha da la brada kabaya la brada da baya da. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça.
car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Je veux juste le peuple. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Car je n'ai jamais vu. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu. Il est hors de question. Seigneur, écoute nos voix, écoute nos prières. Seigneur, regarde la faiblesse dans laquelle je suis ici. Ah, j'ai besoin de force, j'ai besoin de force, j'ai besoin de force. Il est hors de question. Est-ce qu'on peut chanter un peu plus fort? Il est hors de question. Question que ça finisse. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Il est hors de question. Il est hors de question que je quitte ce culte sans que tu m'aies fortifié ici. Il est hors de question, Seigneur, je t'implore. Je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher. Tu as dit, quand on rentre dans ta présence, on ne ressort pas la même personne. Seigneur, fortifie-moi. Il est hors de question. Il est hors de question. Je n'ai jamais vu. Radabaya les proches de la brada bayada. Rekata bayala la proche de la brada bayada. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me. Il est hors de question. Seigneur, regarde la faiblesse dans laquelle je suis ici. Fortifie-moi. Car je n'ai jamais. J'ai besoin de force. J'ai besoin de force. J'ai besoin de force. Car je n'ai jamais. J'ai besoin de force. J'ai besoin de force. Il est hors de question. J'ai besoin de force. 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 Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba yé. Yélélé baba yé. Baba est là, il veut te toucher. Oh. Yélélé baba yé. Papa est là, il veut te toucher. Oh. Yélélé baba yé. Papa est là, il veut te toucher. Oh. Yélélé baba yé. Papa est là, il veut te toucher. Oh. Yélélé baba yé. Papa est là, il veut te toucher. Oh. Yélélé baba yé. Papa est là, il veut te toucher. Oh. Yélélé baba yé. Papa est là, il veut te toucher. Oh. Yélélé baba yé. Papa est là, il veut te toucher. Oh. Yélélé baba yé. Si tu as besoin de restauration, tu reçois ta restauration. Yélélé baba yé. Si tu as plein de d'histoires sur le cœur,
n'arrives pas à vivre pleinement ta vie, Jésus te restaure. 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 Papa est là, il veut te toucher. Oh. Yélé le baba. Papa est là, il veut te toucher. Oh. Yélé le baba. Re de la prochaine à la prada, Père, tu as dit, jeune gens, je vous écris parce que vous êtes forts. Mais je me sens faible ici. Je me sens faible dans cette situation. Je me sens faible à l'école. Je me sens faible à la maison. Je me sens faible émotionnellement. Père, j'ai besoin de toi. 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 Rada brocha na na prada bayada, rekata ya la brocha na na prada ba, rede brocha na na prada bayada ba, reda bayala la brocha na na prada ba, le brasa na na prada ba, reda brocha na na prada bayada, rede brocha na na prada ba. Je ne veux pas quitter cette salle, je ne veux pas quitter ce culte sans sentir ta force. Sans sentir ta force, Père, fortifie-moi, Père, fortifie-moi, Père, fortifie-moi, Père, fortifie-moi, Père, fortifie-moi. Je ne veux pas quitter ce culte sans sentir ta force dans mes études. Je ne veux pas quitter ce culte sans sentir ta force à la maison. Je ne veux pas quitter ce culte sans sentir ta force émotionnellement. Radaba ya le brocha de la pradaba. Reda la pradaba ya da. Rede bosha na na prada baya, rede bosha na na prada baya da, rede bosha na na prada ba, rede bosha na na prada ba, reba ba bosha na na prada ba, reda baya na na prada kele le ba, le brasa na na prada baya la la ba. Je prie, si tu sentais une faiblesse, peu importe la faiblesse, dans une facette de ta vie, le Saint-Esprit, Dieu vient te fortifier. Dieu vient te fortifier et il te donne encore la force d'avancer, de continuer ta marche avec lui. Il y en a qui sont découragés par leur vie chrétienne. Ils disent, ouais, c'est plus la peine de dire que je suis chrétien parce que me voilà, je fais ça, je fais ci, je ne suis pas un exemple. Dieu vient te fortifier ce matin. Dieu vient te fortifier ce matin. Et tu as encore plus de force pour avancer. Au nom de Jésus. Et si quelqu'un n'appartient pas encore au royaume, tu sais que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu n'as pas encore fait la paix avec le Saint-Esprit. Tu ne lui as pas entièrement donné ta vie. Ce matin, je veux juste que tu lèves la main. Parce que Dieu ne peut pas te fortifier si tu n'appartiens pas au royaume. Parce que vous ne faites pas partie de la même famille. Si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore dit à Dieu, Dieu, je veux te donner ma vie, voici ma vie, prends-en soin, fais-en ce que tu veux, parce que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ma vie rime à quoi. Tu vas juste lever la main et on va prier ensemble. Si jamais il y a quelqu'un en ligne, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai des faiblesses, que j'ai besoin de toi, Je veux t'accepter ce matin, je veux t'accepter ce matin comme Seigneur, Parce que je veux
parce que je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Que tu prennes le contrôle. Et je veux t'accepter aussi. Et je veux t'accepter comme sauveur. Comme sauveur. Parce que je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Parce que je reconnais que tu as donné ta vie. Je reconnais que tu as porté mes péchés. Je reconnais que tu as porté mes péchés. Et ce matin, je veux te donner ma vie. Et ce matin, je veux te donner ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, on va passer au Bloom News et en même temps les offrandes. Juste rappeler qu'on a des... Donc, ok. On va passer aux offrandes. Je veux juste vous rappeler que il y a les offrandes pour le tour 931. Si tu veux semer dans la mission et si tu veux semer aussi pour la construction du nouveau, de notre temple, il y a des offrandes spéciales. Tu demandes au portier, ils vont t'en donner. Et puis, écris dessus, on ne sait jamais. Il faut toujours écrire dessus nouvelle construction ou bien tour 931 pour qu'on sache un peu. Je vais prier pour les offrandes. Merci Saint-Esprit pour ces offrandes. Merci parce que tu nous donnes encore de donner encore et encore. Tu remplis nos poches. Tu nous donnes d'avoir une intelligence capable de multiplier ce qu'on reçoit comme argent. Ne fais pas de nous des personnes qui dépensons juste pour dépenser. Mais nous voulons, Saint-Esprit, investir. Saint-Esprit, renouvelle notre mentalité par rapport à l'argent. Et donne-nous d'en apporter encore plus dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Ok, les Bloom News arrivent bientôt. Donc, mon camarade qui t'a arrêté là-bas. Là. En fait, c'était pour te dire que quand on va accueillir les nouveaux, il faut sortir avec eux. Là-bas, on va pouvoir t'entretenir et puis te donner quelques conseils sur comment marcher avec Jésus. T'as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu dois faire, comment et tout. Donc, pour les Bloom News, on va recevoir Kuchawa pour les Bloom News. Ok, bonjour tout le monde. Il n'y a pas de Bloom News vidéo, mais on va faire les Bloom News avec la voix, de façon orale. Donc c'est mieux parce que souvent, quand on regarde les vidéos, vous n'êtes pas motivé, j'ai l'impression. On ne voit pas les gens de Bloom Light aux événements, tout ça. Donc, on va changer ça aujourd'hui. Je vais bien vous expliquer. Et puis, je vais voir les gens de Bloom Light aux différents programmes. C'est bon. Donc, on sait qu'il y a le culte. Vous venez, vous remplissez la salle, mais remplissez la bâche. Votre culte, c'est à quelle heure? Dites-moi. Le culte de Bloom Light. Ok, donc invitez vos amis. Si vous avez des grands frères aussi. Le deuxième culte de plus de 18 ans, c'est à 9h45, et puis le culte bilingue, c'est à midi. Ensuite, pour enchérir sur le message de Coach Aniel, qui est très important, on a des événements pour vous, spécialement pour vous. On a dit, jeunes gens, vous êtes comment? Vous êtes forts. Il y a les Olympiades, s'il vous plaît. La même, vous êtes forts, là. Si tu sais que, toi, quand tu cours, là, tu peux... On te voit pas, c'est la poussière. Ou bien Maracana, basket, tu es fort. Vous venez voir Kiria. Après le culte, vous allez voir Kiria. Vous remplissez, il y a une liste et puis vous inscrivez. Donc, vous rapprochez pour voir les disciplines. Il y a quoi? Il y a basket, il y a Maracana, basket, volleyball. Il y a le concours biblique, culinaire. Et puis, il y a bien d'autres choses. Vous rapprochez et puis vous écrivez. Et puis, on va vous contacter. Donc, regardez bien Kiria. Regardez bien, soumets sur elle. Voilà. Regardez là. Voilà. C'est bon. Merci. Ok. Deuxième chose. Jeunes gens, vous êtes forts. Et puis, coach Aniel, elle a parlé de la parole. Dites avec moi, Bible Coffee. Bible Coffee. Donc, samedi prochain, à partir de 10h, on a un temps pour la parole. C'est-à-dire que
faut même pas avoir honte. Vous pouvez diminuer un peu. Voilà. N'ayez pas honte. Si vous ne connaissez pas où, tu viens, tu vas connaître. Tu connais où, tu viens, on va échanger. Maintenant, comme on dit coffee, là, ça va prendre. Comme il y a beaucoup de baoulés ici, là. De l'eau, on met du sucre, un petit pain. Mais s'il fait chaud aussi, là, on peut mettre. En tout cas, on va prendre un peu. En fait, un genre choco façon, quoi. Donc, on échange sur la parole. Bah, c'est sûr que souvent, quand Daniel parlait, dit non. Mais ma Janice, quoi, là, il y a d'autres qui étaient bleus, là. Mais ça, là, ça ne va plus arriver. C'est bon. Donc, vous venez. Le lieu, encore, on ne sait pas. Ça, c'est pour la troisième annonce. Qui y a vient encore qu'on te voit. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais on ne la cherche pas d'abord, on ne la cherche pas. On la cherche pas. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens de Bloom Light. En fait, vous n'avez pas des informations. Vous voyez, souvent, au cours de la semaine, il se passe des choses. Donc souvent, si on n'a pas annoncé au culte, vous n'avez pas l'information. Donc après, vous allez la voir aussi. Vous mettez juste votre nom et puis votre contact. Donc ça veut dire que votre contact WhatsApp surtout. Donc on vous donne les informations, vous donnez les informations comme ça. Et puis vous pouvez avoir, pouvoir savoir ce qui se passe. Au moins, s'il y a des changements au cours de la semaine, vous saurez. Et puis, intégrer les départements. Parce que quand vous intégrez les départements, vous êtes au courant de tout. Quand tu n'es pas dans un département, tu es un peu flottant. Donc, quand dans un département, tout ça, aujourd'hui, la Kyrie, en tout cas, si vous voyez son visage, vous vous approchez de tout ce que vous voulez savoir, là, elle va vous dire. C'est bon? D'accord, merci, Kyrie. C'est quoi le thème? Dimanche prochain, il y a le talk show. C'est une surprise, le thème, c'est une surprise. Donc, venez, vous allez voir que ça va être. Ça va être bien. La dernière fois, vous étiez choqués de ce qui s'est passé. Parce que vous ne comprenez pas bien comment le talk show s'est passé. Cette fois-ci, là, c'est la surprise. Quand vous allez venir, vous allez comprendre. Donc, c'est talk show. Venez avec, préparez des questions sur un sujet que vous ne savez pas. En tout cas, venez au talk show. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il y a les baptêmes. Qui est là pour les baptêmes? Ah, qui est bien? Voilà. Si quelqu'un vient dans à Bloom Light et puis vous ne connaissez pas Kyria, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tout le monde l'a vu, on connaît son nom, Kyria. Donc, vous venez, si tu veux te faire baptiser, tu n'es pas encore baptisé, tu viens, puis tu vas faire le coup et tu te baptises. C'est très important. Quand on va faire la Sainte-Sainte tout à l'heure, là, tu ne pourras pas te lever. Hein, on a déjà fait le matin, on a changé. Moi, j'étais en voyage, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais... Non, il n'y a pas de souci. Donc, baptisez-vous, c'est très important pour être dans la famille parce que vous n'êtes pas encore bien né. Vous n'êtes pas encore bien né, on ne sent pas. Donc, soyez né de vrai. Actuellement, là, vous êtes des. On ne vous voit même pas, même. En tout cas, dans les spirituels, là, on ne vous sent pas. Voilà, donc, soyez réel. Et puis, quand on fait ça, il y a des vraies choses, il y a de la nourriture, il y a tout. Puis, en fait, tu te sens d'une autre manière, là. On ne peut pas expliquer, ça se vit, ça se vit. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit, ou bien j'ai oublié quelque chose. D'accord, merci. On doit faire la prière de fin. C'est qui le dirigeant? Accueil de nouveau. Merci, je vous en... Merci beaucoup pour tout. Amen, amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes dans la salle? C'est ta première fois de faire le culte à la Villa Kodesh. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Est-ce que tu peux te tenir debout? Ah bon? Waouh! 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 Ils vous ont sauvé la face, sinon j'allais vous menacer même. Donc, on est heureux de vous recevoir à Bloom. On a préparé une chanson pour vous. On chante, vous dansez. Mais il y a quelqu'un qui était arrêté ici, non? Donc, pardonnez les nouveaux, restez debout pour nous montrer que vous êtes là avec nous. Maintenant, est-ce qu'on peut recevoir les nouveaux avec le Aquaba? Hey! Ah, qu'est-ce qu'on dit? Aquaba! Aquaba, hey! Nous disons une dernière fois. Hey! Nous sommes heureux de te recevoir dans notre famille. Sans toi chez toi, nous sommes une danse éparpillée.
Nous sommes heureux de te recevoir dans notre famille. Sans toi chez toi, nous sommes libres dans ces parvis. Que Dieu te bénisse. Hey, ravi de faire ta connaissance. Tu es ici à Blue. Hey, reçois sa joie en abondance. Que Dieu te bénisse. Hey, ravi de faire ta connaissance. Tu es ici à Blue. Hey, reçois sa joie en abondance. Que sa grâce en faveur te soit accordée dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ils sont contents de recevoir la nouvelle personne. Maintenant, ici, là, tu peux te tenir debout encore. Viens, arrête encore. Jean, vous n'êtes pas trop contents en mode, ouais, c'est qui ce nouveau-là? C'est ça. Montrez votre joie, s'il vous plaît. Yes! Donc, pour vous recevoir, on a notre chère Marie-Emmanuela qui va vous recevoir autour d'un petit cocktail, les petits jus, les petits gâteaux. Vous, au moins, vous avez eu gâteau, hein. Nous, là, on n'a jamais eu. Bref. Donc, prenez vos affaires et suivez Marie-Emmanuela sous les acclamations des anciens. Et ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui ont les badges, suivez-la aussi sous les acclamations des anciens. Nous sommes contents de vous recevoir. Hey. Yes. Hey. Akwaba. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a eu des anniversaires en mars? Est-ce qu'il y a eu des anniversaires en mars? Qui a fêté son anniversaire en mars? Waouh. Donc vous allez venir devant ici. Et vous allez recevoir les bénédictions de l'assemblée. Donc, venez devant, l'assemblée va vous bénir. Waouh! Qui sont beaux! Waouh! Qui sont beaux! Waouh! 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 C'est fini. D'accord. Nous tous, moi, c'est pas notre date d'anniversaire. Là. On va prier pour eux. On va bénir leur vie. Et tu vas bénir Dieu pour leur vie. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'on est content de les avoir à Bloom. Est-ce que tu peux tendre les mains vers eux et puis commencer à les bénir? Merci Saint-Esprit pour la vie de toutes ces personnes qui sont ici. Merci parce que tu les fortifies et tu leur donnes d'être des personnes remarquables, peu importe où ils partent. Tu leur donnes de vivre de manière extraordinaire. Leur vie est une bénédiction pour les personnes autour d'eux. Leur vie est un témoignage pour les personnes autour d'eux. Et Saint-Esprit, tu fais de des personnes qui vont transmettre ta joie, des personnes qui vont transmettre ta joie partout où ils seront. Merci Seigneur pour leur vie. Merci parce que tu les bénis, tu les couvres de ton sang, tu les gardes au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez battre à vos mains. Passez, je vais prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je déclare que le premier culte
est le culte dans lequel il y a plus de manifestations de la présence Amen. De Dieu. Amen. Parce que nos cœurs sont remplis d'amour pour Dieu. Amen. Je déclare que nos vies reflètent la vie de Dieu. Amen. Et je prie que Dieu nous fortifie là où on se sent faible. Amen. Et je déclare que la parole de Dieu demeure en nous. Amen. Et qu'on est capable de faire fuir le diable. Amen. Merci Saint-Esprit pour la vie de toutes ces personnes qui sont ici. Merci parce que tu nous gardes pour toute cette semaine. Tu nous fortifies là où on se sent faible. Et tu nous donnes de revenir dimanche prochain en pleine forme et rempli de joie encore pour la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre moment tire à sa fin. Alors regarde ton voisin et puis dis-lui, rendez-vous dimanche prochain. Regarde notre voisin, dis-lui, rendez-vous dimanche prochain. Dis-lui, viens avec un ami. Viens avec un frère. Viens avec un pote. Et surtout, garde la même énergie. Amen. On peut rentrer chez nous.